La prochaine fois, allez les gars. Ah non, la prochaine fois, je vais pas vous faire. Je vais pas vous faire. Les grèves, comme vous l'avez dit, elles vont pousser les chargements. La prochaine fois, vous avez la Je vais vous mettre une date. Rassemblement concernant les violences policières aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Ça va, c'est un plaisir de voir. 20 petites minutes, fermez le masque. Je m'excuse. Aujourd'hui, ce rassemblement a été important, beaucoup de mobilisation à la suite de ce drame qui s'est passé aux États-Unis. Les États-Unis se sont révoltés, réveillés, qui est compréhensible une telle violence à la suite des Noirs qui sont faites. Toi, tu te bats farouchement pour faire reconnaître l'esclavage, que Bordeaux s'est enrichi sur l'esclavage. Je crois que ton combat, il est toujours d'actualité. Plus que jamais, aujourd'hui, encore plus fort, plus porteur, aujourd'hui, est-ce que nous, Blancs, on doit être plus mobilisés et plus apporter notre soutien à la communauté noire et en général à l'ensemble qui est fait de toutes les communautés qui sont à la fois martyrisées, exploitées, comme, on le fait, comme ces pays le font. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter ? La question du racisme, c'est un virus. Ce virus est en train de détruire nos sociétés. C'est vrai que notre engagement, il est lié à la source du racisme. La source du racisme, c'est l'esclavage et la traite des Noirs à Bordeaux. Mais on sait que ce racisme-là
a laissé dans les sociétés occidentales un inconscient extrêmement fort, extrêmement puissant. Il y a un racisme structurel. Aux États-Unis, il fait des victimes régulièrement. Des Noirs américains tombent sous les balles de policiers blancs parce qu'ils sont noirs. On sait également qu'ici en France, on a le même racisme qui existe dans des proportions différentes, mais on a toujours cet inconscient. Donc c'est extrêmement important de comprendre les origines du racisme pour pouvoir le combattre. Et le combat que nous menons ici, c'est une mobilisation très importante des Bordelaises et des Bordelais de toutes les couleurs, on l'a vu, c'est une mobilisation multiraciale. Cela montre qu'il y a une France de notre population qui ne se laisse pas avoir, qui n'accepte pas cette violence. Il faut que nous interrogions les privilèges indus que nous avons. Ces privilèges, ils génèrent beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ce sont ces privilèges qu'il faut attaquer. Et c'est le sens de cette mobilisation-là. Elle n'est pas finie, puisque malheureusement, le racisme continue. Le défenseur des droits, récemment, a fait une étude disant qu'en France, quand vous êtes noir ou maghrébin, vous avez plus de 20% de risque d'être contrôlé par la police et vous étiez 5 fois plus brutalisé parce que vous étiez noir ou parce que vous étiez maghrébin. Donc on a un racisme dans la police, il faut qu'on puisse le traiter. Et bien si cette mobilisation peut permettre à une certaine jeunesse, on a vu que cette jeunesse était très importante, si ça peut permettre à cette jeunesse de se mobiliser, de se structurer et de pouvoir organiser des contre-pouvoirs, eh bien le chemin sera peut-être un peu plus court qu'avant. Voilà. Est-ce que tu as un espoir pour l'avenir que cette situation va s'arranger pour les Noirs et que les Noirs et les Blancs arriveront main dans la main à construire un monde meilleur, une société meilleure? Je ne suis pas un optimiste, je suis quelqu'un de lucide. Oui, je ne suis pas un optimiste parce que je sais que l'homme est fondamentalement incorrigible. Quels que soient les crimes et les malheurs du passé, il n'en tire pas des leçons. Mais je suis par contre lucide. Par lucide, c'est-à-dire capable d'avoir des alliances, de savoir qui sont mes amis, qui sont mes ennemis. Et cette lucidité, elle est importante. La deuxième lucidité qui est importante, c'est de ne pas reproduire les violences qu'on a subies. Donc d'avoir cette lucidité du quotidien, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, pour ne jamais martyriser quelqu'un. Et la troisième lucidité qui est essentielle, c'est de refuser le combat d'arrière-garde. Le combat que nous avons à mener, c'est aujourd'hui, c'est le combat pour l'égalité raciale. Et ça, nous ne lâcherons pas, nous travaillerons, nous essaierons de faire en sorte que nos enfants vivent dans une société meilleure. Est-ce que justement, tu disais qu'il ne fallait pas les hommes politiques dans ce que tu faisais, est-ce qu'il ne faudra pas interpeller ceux qui sont au pouvoir pour leur dire, vous êtes face à vos responsabilités, vous devez faire en sorte que cette société soit meilleure et que vous êtes là pour protéger la population qui ne le font pas aujourd'hui aux hommes politiques. Ils sont juste un regard. Absolument. Dire que nous méfions effectivement des hypocrisies, des lâchetés, des trahisons des hommes politiques, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'exigence. Mais l'exigence politique, elle se construit. Elle se construit d'abord idéologiquement, il faut se donner des ressources intellectuelles pour comprendre les violences, les dominations. Il faut aussi avoir à un moment donné un examen de conscience. Et puis après, il faut une prise de décision, une prise de position réelle. Et ça, j'espère effectivement qu'on le fera, avoir cette exigence politique vis-à-vis des élus. Est-ce qu'il ne faudrait pas que des Noirs rentrent en politique pour faire justement basculer la situation, pour qu'ils soient à l'intérieur du pouvoir, pour dire on est au pouvoir, on va pouvoir nous faire en sorte des choses pour nos frères? On a des exemples qui ont existé, on voit les États-Unis, il y a un système de discrimination positive qui a été mis en place. Il y a une élite noire très importante aux États-Unis, une diaspora noire très importante, une communauté noire importante, dans la musique, dans le sport, même dans la politique. Barack Obama est devenu président des États-Unis. Mais au fond, ça n'a pas changé ce racisme structurel. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu plus de morts sous Barack Obama que sous George Bush auparavant, de noirs qui ont été tués. Donc c'est pour dire qu'au-delà des symboles, ils sont importants, il faut que les gens y aillent, qu'ils intègrent parce que c'est de la citoyenneté, mais il faut que nous puissions être vigilants. C'est dans la société civile que les choses changent. Quel message fort t'as envie de faire passer pour conclure cette interview? C'est mobilisez-vous, traquez le racisme, ayez les oreilles grands ouvertes, ayez les yeux grands ouverts. Soyez vigilants pour dépister à chaque fois que vous entendrez quelqu'un parler du juif, du noir, de l'homosexuel en des termes méprisants, eh bien, dressez-vous et opposez-vous à cela. C'est le message qu'il faut donner, parce que ce sont ces vigilances du quotidien qui changeront la société de manière générale. Merci Herma Diallo, c'est gentil à toi, merci. Voilà, vous avez entendu l'interview de notre ami qui se bat contre le racisme. Il est un fer combattant sur la région bordelaise. Il a essayé de faire reconnaître l'esclavage des Noirs sur Bordeaux, que Bordeaux s'est enrichi sur l'esclavage, hein, on peut le dire, voilà. Et je pense que sa voix a pu porter, puisqu'il y a eu des plaques mises à cet esclavage, et je crois que c'est quelque chose qui est important. Voilà, il y avait un énorme, énorme, énorme rassemblement. Pas de policiers, un petit peu au loin pour l'instant, ils sont partis. Pas de verbalisation, on était plus de 10.
On devait être, allez, je ne sais pas moi, on était bien 500 personnes hein, au milieu de ce rassemblement. Pas de verbalisation, pas de policiers qui comme samedi, il y a eu des verbalisations, il y a eu des gens qui se sont fait arrêter, certains, voilà, parce qu'ils étaient plus de 10 et qu'ils devaient ne pas être plus de 10. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur ce direct pour parler de ces différentes manifestations sur la région bordelaise. Pour ceux qui habitent Bordeaux, voilà, il y a d'autres rassemblements. Samedi, il y aura sûrement un rassemblement. Vous pouvez y venir, ceux qui habitent Bordeaux. Attention aux amendes qui risquent de pleuvoir, malheureusement. Mais nous serons toujours là pour vous informer. Et c'est vous qui faites l'information en partageant. Nous avons eu plus de 26 000 visites sur un direct qu'on a fait sur le rassemblement de l'hôpital de Pellegrin. Bravo, parce que c'est vous qui faites, je dirais, l'actualité. C'est vous qui la partagez. Et c'est vous, les journalistes, et non pas nous. Voilà. C'est vous qui nous relayez et qui nous passez l'information. Tenez du fond du cœur à vous remercier, car vous faites un boulot de dingue en partageant, en diffusant et en apportant l'information grâce à vos partages. Je crois qu'on a eu plus de 36 partages. Alors celle-ci, si vous la partagez, c'est bien. On n'a pas eu beaucoup de visites, mais c'est pas grave. On n'était qu'une dizaine, mais c'est pas grave. On est heureux, même s'il y a 10 personnes, qu'on puisse vous faire ce direct. Et on vous dit à un prochain direct. On essaiera de vous apporter de plus amples informations. On essaiera d'être samedi parmi les manifestants qui se font verbaliser. On essaiera d'être là. Merci à tous et à toutes. Passez une bonne semaine. Demain, tout est ouvert. Vous allez pouvoir aller dans vos bars respectifs, prendre un petit coup, prendre une boisson. Voilà, merci à vous tous. Au revoir. On quitte le direct.